Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo où j'ai réuni sur 2 mois ce que je rachèterai, ce que je ne rachèterai pas. Ça peut vous donner des idées, des avis, ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Donc moi, je sais que j'aime bien un peu ce genre de vidéo, ce qui m'a permis de découvrir des produits et puis de me donner une opinion aussi. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer avec ce que je n'aime pas et que je renouvellerai pas du tout. Je renouvellerai pas dans la gamme bourgeois, donc ce démaquillant biphasé, tout simplement parce que je trouve qu'il me laisse une pellicule assez grasse sur l'œil et je trouve cette sensation vraiment désagréable. Il faut que j'attende un bon moment pour remettre mon contour de l'œil, que les produits que j'utilise habituellement, pas du tout, je me démaquille, hop, terminé. C'est toujours un petit peu gras, mais beaucoup moins que là. Je renouvellerai pas et là j'en ai marre, j'abandonne. Moi les bébés crèmes c'est pas fait pour moi. Déjà celle-ci je l'applique, on voit strictement rien du tout sur moi. Il m'est effet non gras parce qu'elle a fait 8 ans, on a un balèze la crème. Pourtant j'aime bien Maybelline mais là non. Puis il l'appelle Dream Fresh parce qu'une effet de fraîcheur moi je trouve pas. Donc peut-être qu'elle convient à certaines, hein. Mais moi elle me convient pas du tout donc je renouvellerai pas. En plus ça me fait la peau crasse. J'ai pris un teint médium en plus, comme vous pouvez voir. Pourtant, j'ai une carnation qui est assez claire. Bah, non, j'aime pas du tout. Je renouvellerai pas 2 crèmes pour le corps. Donc, la première, c'est le baume gourmand. Tout simplement parce que, après la douche, elle me laisse une pellicule un peu grasse. Elle a du mal aussi à pénétrer. C'est dommage parce que, franchement, son odeur, c'est une tuerie. Elle nourrit et elle hydrate bien. Donc, en plus, bah, comme vous voyez, elle a eu la victoire de la beauté 2011-2012, mais bon, ça veut rien dire. Donc, peut-être que sur d'autres peaux, ça pourrait fonctionner. En tout cas, sur la mienne, elle fonctionne pas du tout. Donc, c'est dommage. Par contre, elle nourrit, elle hydrate, oui. Mais moi, là où je suis plus chiante, c'est dès que je sors de la douche, j'aime bien m'appliquer quelque chose et que ça pénètre tout de suite. J'aime bien. Je renouvellerai pas la crème corps fondante d'Ostémentus. Pourtant, j'adore. Mais je vais vous en parler dans ce que j'adore. Mais là, ça fait le même effet et j'ai du mal maintenant. L'odeur ne reste pas sur la peau et je trouve que l'odeur vire. Peut-être que c'est ma peau. Mais bon, non, j'aime pas du tout. Donc voilà. Et un parfum que je ne revoudrais pas, c'est le Acqua di Gioia de Giorgio Armani. Il sent bon, mais voilà, c'est pas mon trip. Il sent très frais, hein, il est très pétillant, mais c'est pas mon trip. Donc voilà dans l'histoire que je renouvellerai pas. Par contre, dans ce que je vais renouveler, mais on va plutôt dire dans ce que j'ai aimé, parce que je vais peut-être pas tout renouveler quand même, j'aime bien aussi changer. Donc dans ce que j'ai aimé, alors on va commencer au niveau des parfums. J'ai aimé, et là c'est mon deuxième, le vanille de chez Yves Rocher, parce que je suis pas toute seule à utiliser, j'ai ma fille aussi qui me chaud. Donc quand il fait beau, c'est vrai que c'est agréable de sentir les agrumes, les fruits, le sucre, enfin j'adore. Je renouvellerai peut-être donc les petits plaisirs marshmallow, c'est une odeur donc de marshmallow à 2 € quelque chose. C'était à Leclerc, il y avait vanille bourbon, il y avait vanille cookies, il y avait pistache, enfin il y en avait pas mal et il tient bien. Pareil, ma fille me le choure donc je suis pas toute seule à l'utiliser. Dans les parfums, je renouvellerai comme une évidence de chez Yves Rocher, ils sont bons. Il est fleuri et il tient bien. Sur ma peau, pareil, tout dépend de l'acidité de la peau de la personne. Je renouvellerai, mais par contre en petit exemplaire, en 30 ml, parce que là c'est un grand, ça doit être un 100 ml, c'est un 100 ml. Donc je trouve que ça fait beaucoup trop un 100 ml. Je préfère en avoir des plus petits et pouvoir en utiliser plusieurs. Moi j'aime bien changer, je mets pas toujours le même parfum. Donc c'est vrai que bah, je préférerais quand même, sachant que lui date de l'année dernière, il n'a pas bougé parce que je laisse toujours dans son étui. Sachez qu'il faut jamais qu'un parfum soit à l'air libre dans votre salle de main parce qu'il peut virer, hein. Donc voilà, donc je laisse dans son étui et il n'a pas viré, il a toujours la même couleur, ils sont toujours bons, mais les prochains, c'est en 30 ml. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo juste après, un tout petit haul que j'ai fait. Et j'en ai 2. Toujours dans les eaux, j'ai l'eau énergie de Biotherme. Et franchement, celle-ci, elle est super agréable. Donc, elle sent un peu la mandarine, l'orange. Elle est très fraîche, très dynamisante. J'adore. Après, là, on la retrouve, celle-ci,
un dans vos commerçants, chez vos commerçants, les grandes surfaces, donc l'eau énergisante, donc le Petit Marseillais, donc c'est là quand même la deuxième que j'utilise, j'utilise surtout après la douche. Donc l'huile essentielle d'agrumes à l'OS, ça sent frais, j'aime bien. Et j'alterne avec l'huile sèche du Petit Marseillais qui sent vraiment les vacances et à mon goût qui n'est pas gras. J'utilise tout de suite aussi en sortant de la douche, je me l'applique et impeccable, franchement. Il hydrate bien et il laisse pas de film gras, donc c'est ça que j'apprécie. Et c'est pareil, lui, j'utilise par contre hiver comme été. Après, au niveau des gels douche, l'eau fleur d'ostémentus, je le renouvellerai peut-être pas dans l'immédiat, mais pareil, il a une bonne mousse, il a une bonne senteur, il hydrate bien, il ne pique pas à la peau. Bon, je vous dis ça, mais c'est avec ma peau, hein, donc bien sûr, ça peut changer d'une peau à une autre. Donc, j'ai bien aimé, je renouvellerai. Et là où j'étais agréablement surprise, c'est dans la gamme Rivadouce. Hein. Donc, si vous vous souvenez, donc, le baume que bon, j'ai un peu plus de mal, pas par rapport à l'odeur, mais par rapport dès que je l'applique. Hein. Donc, j'avais voulu prendre les deux. Et donc, j'ai fini le gel douche et c'est une tuerie. Il sent super bon. Pareil, en plus, il enrichit à la glycérine végétale. Donc, il vous laisse quand même une peau qui est assez souple, douce, avec des agents surgraissants. Donc, c'est vrai que. Bah, votre mousse elle est vaste, elle est onctueuse et elle est douce quoi, et ça vous pique pas, ça vous gratte pas. Voilà, donc allez faire un tour sur leur site, hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment génial. Enfin, moi je sais que j'adore. Par contre, je vais renouveler dans une autre senteur. Voilà, ensuite au niveau cheveux, je vous l'ai déjà présenté. Donc, le shampoing réveil couleur de sang, c'est une tuerie, c'est le je sais pas combien depuis que j'utilise. Hein. Donc par contre, je l'alterne avec un autre shampoing et je prends aussi le soin des mélanges que j'alterne avec le sérum. Donc après, quand on connaît sa texture de cheveux et son fonctionnement, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Donc je vais le finir et après je vais essayer la marque Elseve, hein, la couleur rouge là. C'était L'Oréal qui me l'avait envoyé dû au problème que j'avais eu déjà avec ma bébé crème. Donc on va essayer ça et puis ben, on verra. Après, au niveau de mon visage, ah Sandrine, la catastrophe, je vais renouveler, mais ça c'est sûr, l'eau thermale de chez Avène. J'en ai essayé plusieurs et c'est la seule. Et quand ils mettent apaisante et anti-irritante, vous pouvez leur faire confiance parce que franchement, c'est le cas. Quand je me lave le visage, c'est vrai que ben, j'ai tendance à avoir la peau qui me picote. Et du coup, depuis que j'utilise ça, plus du tout. Donc, impeccable. J'ai fini enfin mon sérum que j'ai acheté au mois de octobre et je voudrais découvrir un autre sérum. Donc, si vous avez des marques de d'autres sérums pour vous qui ont l'air d'être bien, j'essaierai déjà de voir en échantillon ce que je peux avoir et puis l'essayer en échantillon pour voir la texture que l'acheter en vrai. Mais vous pouvez me laisser en commentaire, ça serait sympa. Par contre, si je trouve pas l'équivalent de celui-ci, je le reprendrai parce que je vous ai fait une revue d'ailleurs dessus. Et ce n'est pas une publicité mensongère, il est franchement tip top. Donc je vous dis, vous pouvez foncer. Il est dans les 33 euros, je crois. Depuis le mois d'octobre, on est au mois de juin. Puis là, je l'ai fini, il doit me rester quoi sûrement le fond. Parce que là, il faut que je penche, enfin, que je bidouille pour un ravoir. Voilà. J'ai découvert dans la jolie box le soin des yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique. Et là, franchement, je le rachèterai. Enfin, ce soin-là me convient tout à fait. Après, j'ai oublié de vous le prendre. Je vous l'ai présenté dans la vidéo que j'avais fait où j'ai fait mes achats de Rivadouce. C'était le. Ah, alors, c'est un lait en forme de gel pour se laver le visage, pour se démaquiller, que j'utilise avec, vous savez, le petit truc blanc qui avait avec des petits picots dessus où je me nettoie le visage. Et ça, c'est une tuerie. C'est dommage que je ne l'ai pas pris, mais je vais le renouveler parce que je crois que j'ai enfin trouvé un démaquillant. Bah, qui me démaquille sans agresser ma peau. Donc c'est un petit gel que vous mettez sur ce petit truc blanc là, puis vous vous massez, puis vous rincez votre peau. Enfin voilà. Ensuite, on va passer au niveau make-up. Alors au niveau make-up, j'ai pas fait de folie là ces 2 mois-là, parce que bah, il faut se calmer un peu aussi. Hein, donc c'est sûr qu'on serait tenté partout, mais bon, bah, comme tout le monde. Hein. Alors là par contre où je vais renouveler, c'est sur les pinceaux Real Technique du site iHerb où bah, vous les connaissez tous. Pour ça je n'ai pas fait de revue parce que déjà je ne suis pas une experte en pinceaux.
Ça fait même pas un an encore que j'ai ma chaîne. Je me maquillais au doigt ou avec des petits pinceaux mousse. Et là, depuis que j'ai découvert ces pinceaux-là, ben, ça fait tout mon bonheur. Franchement, parce qu'ils sont vraiment super. Donc, je vais continuer un peu dans la collection. Voilà. Et un autre pinceau de chez Essence, où franchement, j'adore aussi. Voilà, Essence. Il est comme ceci. C'est un pinceau estompeur. On va vous mettre là, voilà. Vous avez dû en entendre parler parce que là, on entend parler beaucoup d'essence. Donc, dans le coin externe et dans la banane, enfin dans le creux, ouais, de la paupière, franchement, il est super. Et il perd pas ses poils. Là, je l'ai lavé, j'en ai deux, hein, d'ailleurs, je vous ai amené les deux. Et je l'ai lavé, lavé, relavé, relavé, et ça ne bouge pas. J'ai dû payer 1,28 € ou un truc comme ça. Donc, si toutefois ça vous intéresse, d'avoir des pinceaux ou du maquillage essence, ça que je vais vous présenter. Je connais une personne qui s'appelle Nat Makeup, donc qui habite pas loin de l'Allemagne, donc elle fait quand même un petit bout de trajet. Il y a des magasins essence là-bas, donc du coup elle va les acheter. On passe notre commande en MP sur Facebook et du coup, bah, bien sûr, on a nos frais de livraison et puis en plus à partir, je crois, de 30 € un truc comme ça, elle nous met toujours un petit cadeau. Nat, enfin, c'est un amour cette femme, parce que bah, elle est vraiment pour nous faire plaisir, parce qu'en plus elle se fait pas spécialement de bénéf dans ce qu'elle peut gagner. C'est par plaisir, c'est une passionnée de make-up et c'est une passionnée de marque essence. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP ou dans votre commentaire, parce que j'ai déjà fait une vidéo, je l'ai déjà mis, vous pouvez aller aussi rechercher. Mais bon, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je vous donnerai sa page Facebook. Justement, on va rester avec la marque essence. Et là, moi j'ai trouvé le gel eyeliner, donc c'est le numéro 1. Il est, mais franchement, tip top. C'est une tuerie. Pourtant, je suis pas du tout une fan à appliquer comme ça avec les pinceaux, parce que bah, j'aime le maquillage, mais bon, je suis un peu gourdasse, hein, à vrai dire. Donc, je n'ai pas travaillé dans un magasin de beauté et je ne suis pas non plus esthéticienne. Voilà, je fais ça par plaisir. Voilà. Et donc, du coup, je l'applique avec mon pinceau IR ou alors l'autre pinceau que j'ai, la même forme, mais un peu plus fin, de Essence. Et ben, j'adore. Il glisse, il a une super bonne tenue, même dans la muqueuse, ils sont vraiment géniaux. Et il est toujours pas sec, et ça fait un petit moment que je l'ai quand même déjà. Je l'avais pris dans la couleur vert canard aussi. Vert canard, enfin, c'est même pas vert canard, je ne sais même pas comment on peut dire. C'est un vert, ça rend pas pareil, hein, mais il est vert, 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 un peu métallisé. Voilà. Toujours avec Nat Makeup, j'avais pris aussi cette palette-là, j'avais flashé sur les couleurs, j'en avais pas. Voilà. Donc c'est la palette El Sista Sol Sista, la numéro 1. Voilà. Et je trouve que c'est bien, moi, les petits carrés comme ça, où il y en a plein. Donc parce qu'on n'utilise pas tous nos fards. Là, je parlais avec une fille de YouTube qui vient, on devient très très proche, et donc je lui disais que j'aimerais en avoir des palettes. Il y en a qui sont magnifiques, mais le problème c'est qu'on n'utilise pas tout. Et c'est un peu gênant. Et c'est vrai que ce système-là de petites palettes, voilà, ou comme la Naked, où ils sont en long, c'est plutôt assez sympa, je trouve. Voilà. Ensuite, toujours avec Nat Makeup, mais là, c'est une autre marque, c'est Manhattan Clear Face. Là, j'ai pris le fond de teint et la poudre. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans une revue, où ben, le fond de teint est antibactérien avec la poudre aussi. Et en plus, il y a un indice 15. Donc, voilà. Ça a quand même une bonne couvrance, les deux. Je trouve ça vraiment génial. Et je pense que ouais, je renouvellerai l'expérience. Parce que je suis comme les parfums, je ne mets jamais le même fond de teint. Je dois en avoir 3-4 et je change tous les jours. Je ne mets jamais le même. Je peux pas. Donc c'est comme ça. Ensuite, là où franchement j'ai mes craqués de chez craqués de chez craqués, il est à 7 €. C'est les Super Shock de chez Avon. Voilà. C'est un eyeliner qui se présente comme ceci. Voilà. On peut les tailler, il n'y a pas de souci. Et c'est sur le Facebook de Miss Blackline, et elle a déjà dû en parler dans ses vidéos. Et ben, franchement, hallucinant, j'en suis pas revenue. Il a une pigmentation de dingue. Il est un noir, mais j'ai jamais vu ça. Voilà. Et pour l'enlever, vous pouvez vous accrocher. Donc, ça tient, ça tient, ça tient. Bon, là, je viens de le mettre, donc effectivement, il s'enlève bien, mais sinon, c'est pas le cas. Donc voilà, pareil, si vous avez besoin de produits Avon, je peux vous donner aussi un lien Facebook de Nini Avon. Il n'y a pas de souci.
aussi, vous me laissez en commentaire aussi ou en MP. Après, là où je rachèterai par contre, c'est le All Cover Color Stick de Elf, tout le monde connaît, et c'est le persimmon. Celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'arrive à la fin. Je l'utilise donc en base au niveau de l'arcade, j'utilise au niveau aussi des joues ou alors en rouge à lèvres. Franchement, il est super bien, il a une bonne tenue. Pour 1 euro, bah, franchement, il ne faut pas se priver. Hein. Il est tip top. Après, je renouvellerai. Et là, franchement, j'ai été surprise. Ce matin, je suis allée à la parapharmacie et je me suis dit, bah tiens, je vais voir s'ils font des soldes. Ils font pas de soldes. En parapharmacie, apparemment, pharmacie, ils n'ont pas le droit de faire des soldes. Et là, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu. Alors là, c'est un échantillon parce qu'il y avait ma copine, elle a pu me donner des échantillons de l'huile prodigieuse. Mais le parfum, il est à 41 euros. Ça fait cher, quoi. Donc là, je me suis dit non, 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 non. Et donc, du coup, j'ai essayé l'huile pailletée qui était à 18,90 petit format. Pareil, je me suis dit, merde, putain, c'est un petit format, fait suer, quoi. Et ce matin, avant de partir, je me suis mis l'eau de nacre de Yves Rocher. Donc, vous voyez, c'est une eau, en fait, où dedans, il y a énormément de paillettes. Il est blindé de paillettes. Et ben franchement, ça fait le même effet. Et j'ai dû le payer, allez, maximum 7 euros, même pas, à Yves Rocher. Ça fait le même effet. Bien sûr, vous n'avez pas l'odeur de Nuxe, mais ça fait le même effet que Nuxe. Et encore mieux, je peux vous dire. Je l'ai testé donc ce matin. Là, il y a encore plein de paillettes. Et juste à côté, je lui ai demandé à ce qu'elle me teste l'huile, justement. Et ben du coup, je me suis aperçue que les paillettes s'en allaient. Et là, cette petite bouteille-là, pas du tout. Et j'ai vraiment été surprise. Donc par contre, l'inconvénient, c'est une bouteille en verre. J'aurais préféré une bouteille en plastique, dans le sens où pour appuyer dessus. Parce que là, en fait, je l'applique pas comme ça sur ma peau, si vous voulez. Je le mets sur un coton et je me passe le coton parce qu'il y a tellement de paillettes. C'est tellement bah, plein, plein, plein que voilà quoi. Et ben, je renouvellerai l'expérience avec Yves Rocher. Ouais, franchement, pour le prix, ouais, j'ai bien aimé. Ça peut faire une alternative à Nuxe, quoi. Par contre, ce parfum-là, si vous pouvez vous l'avoir, ben, allez-y, quoi. Il sent les îles, il sent la vanille, il sent le monoï. Mais c'est une tuerie, mais une tuerie. Et je comprends pas pourquoi ils font pas de sol, d'ailleurs. C'est dégueulasse. Donc, voilà. Eh ben, je crois que j'ai fini. Alors, j'ai oublié, mais comme d'habitude, je ne vais pas là-bas, non. J'ai eu mon tout premier Mac, mon RAL Mac. C'est Ludivine Tube, qui, un soir, on a jacté sur Facebook et tout, qui m'a conseillé sur les couleurs de rouge à lèvres. Et donc, elle m'a vraiment très bien conseillé sur ce rouge à lèvres-là. Mais j'aurai l'occasion de vous le représenter dans une vidéo. Donc, je pense que celui-ci, je le renouvellerai. Par contre, je ne sais pas si je renouvellerai chez eux. Parce que on voit mal au niveau. Ben, déjà, c'est noir. Et on voit pas très bien au niveau des couleurs. Et j'ai peur d'être déçue de mettre 18 euros plus les frais de port dans un rouge à lèvres. Je préfère aller chez Marine Nocibé ou autre. Parce que moi j'ai que ça, j'ai pas de Sephora chez moi. Et essayer. Voilà. Mais sinon, pigmentation, la tenue, enfin tout, franchement, j'ai rien à dire. C'est du MAC et ça restera MAC. Voilà. Et ben j'ai fini pour cette vidéo-là. Je vous fais de gros bisous. Alors si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous. Je fais plein de gros bisous aussi à mes nouvelles abonnées, car j'ai vu, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Donc voilà. Je fais des bisous à mes abonnés déjà, qui sont déjà bien là, et à toutes celles qui sont proches de moi et qui m'ont soutenu ces derniers temps pour certaines choses. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!